Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. J'ai bien envie de vous montrer mon t-shirt. Voilà. Dashi for Life. Un artiste que j'appelle l'immortel. Un artiste inoubliable. On va parler de l'après hommage à Didier Arafat. Faire une petite mise au point. Et aussi parler de l'artiste de Bordeaux, Koufa, qui vient de sortir un morceau. Bon, avec pas trop grand bruit, mais hein, franchement, le morceau. Ma part n'est pas mal parce que il me rassure un peu, il me rassure un peu. Il s'est fait arranger par Rochatu et comme d'habitude, hein, il a chanté avec Maestria. On va parler de ce morceau-là et puis parler un peu aussi de l'artiste. Donc cette vidéo, elle est dédiée à Didier Arafat et à son frère Debordoly Koufa. Voilà, mise au point et décryptage de l'hommage au président Roch Kaboré. On se prend juste après le générique, les amis. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur et rétorant. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage-moi. Bon retour les amis, bon retour, c'est toujours votre humble serviteur et rétorant. J'ai envie de faire quelque chose. Bon, on dira, je vous l'ai dit, j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet. Il s'agit de quoi en fait? Je vais vous parler brièvement de l'album d'un artiste coupé décalé. Est-ce qu'il est artiste coupé décalé même? Parce qu'il est complet. Je parle de Nguessan Baby Philippe Amessan. Voilà, Mr. BBP, l'homme aux doigts magiques. Il sort son album ce 19 septembre. Je n'ai pas encore eu la chance d'avoir une écoute privée, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc, quand je vais avoir le privilège d'écouter ce morceau-là, je viendrai vous dire si vous devez acheter l'album le 19 septembre ou pas. Voilà. Je tenais vraiment, vraiment à dire ceci avant de rentrer dans la vidéo même, parce que c'est un album que moi j'attends personnellement. Voilà. Quand on sait que Baby Philippe, il est très bon chanteur et très, très bon arrangeur et qui se décide de lancer son premier album, franchement, je pense que ça promet pour ma part. Mais on va pas trop parler. Je vous informe juste qu'il sort son album le 19. Et avant le 19 septembre, je vais vous dire clairement s'il faut acheter l'album ou pas. Donc, soyez connectés. Cependant, on parle maintenant de Debordoly Koufa. Ouais, j'ai bien envie de parler de Debordoly Koufa avant de faire la mise au point d'un an. Voilà, d'un an de Didier Arafat. Parce que je pense qu'il faut en parler. Debordoly Koufa m'a agréablement surpris, vous savez pourquoi? Honnêtement, quand il s'est séparé de Baby Philippe, je craignais quand même un peu pour lui. Voilà, parce que vous savez, hein, je parle avec toute logique. Je me dis que quand tu as fait plus de 11 ans de collaboration avec un arrangeur, tu devenais corps avec cet arrangeur-là. C'est comme si cet arrangeur était indispensable. À toi en fait. Cependant, le dernier morceau de Debordoly Koufa, c'est un petit morceau qu'il a fait vite fait pour le président Roch Kaboré du Burkina. Franchement, même quand ce sont des petites choses, bon, pas des petites choses pour la personne pour qui il a fait, mais je vais dire, c'est pas un morceau commercial, c'est un morceau de remerciement, d'hommage et de reconnaissance qu'il a fait au président Roch Kaboré. Donc, ça pouvait pas être plus comme ça, mais vous connaissez des Bordeaux, hein, il s'est pas fait dans la dentelle et il nous a servi quelque chose de lourd. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, parce que c'est un hommage rendu à un président d'un pays frais, allez écouter le morceau pour comprendre pourquoi je vous dis que des Bordeaux m'a agréablement surpris. Voilà, parce que honnêtement, avec Rochatu, j'ai pas senti la grande différence avec les arrangements de Bébé Philippe. Et je pense que ça promet. Vu même qu'il s'est déjà lancé dans les arrangements. Donc, je pense que Debordeaux pourra s'en sortir. Donc, j'aimerais rassurer tous les Lyonnais de Debordeaux pour leur dire que restez sereins. Parce que, mine de rien, Debordeaux est un artiste complet. Et il pourra voler ses propres ailes, c'est-à-dire sans Baby Philippe. Parce qu'il pourrait connaître aussi que Baby Philippe, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est le numéro un des arrangeurs actuellement. Voilà, tout ce qu'il touche. C'est que des hits. Vous allez écouter Agaza Gaza, vous allez écouter Spécialisé Ivoirienne, vous allez écouter Que du Sale. Le mec, il est super, super, super fort, super très doué, même s'il est plus en collaboration avec des Bordeaux. C'est pas la guerre, c'est pas la fin du monde. Faut pas qu'il y ait d'animosité. Et si vous pouvez aller le soutenir à la sortie
de son album ce 19 septembre. N'hésitez pas. Cependant, Desbordeaux, moi, je t'envoie toutes mes félicitations pour ton hommage rendu au président Roch Kaboré, parce que je sais que si ce monsieur-là écoute ce morceau-là, il sera plus que fier. Il sera plus que fier. Et tu as parlé au peuple burkinabé indirectement pour leur dire de réitérer encore leur choix au président Roch Kaboré. Et je pense que le président là, il est très fier. Je pense qu'il est très fier. Voilà, c'est jamais arrivé. Tu n'as jamais fait d'hommage à un ton président burkinabé. Si tu l'as fait, je pense que ce président là sera très content de te recevoir et de te dire merci. En tout cas, moi j'ai kiffé le morceau. Le morceau est intéressant. Pas t'es écouté sur sa chaîne YouTube, c'est sorti. C'est seulement à 10 000 vues. Parce que l'artiste n'a pas fait trop de bruit avant de sortir. Petit inconvénient, vous voyez un peu? Quand tu fais trop de bruit avant de faire sortir ton son et que tu fais pas trop de bruit avant de faire sortir ton son, c'est pas la même chose, c'est pas le même engouement. Donc, Debono doit savoir qu'il est condamné à faire du bruit avant de sortir ses morceaux. Voilà, sinon s'il fait l'erreur de faire ce qu'il a fait avec l'hommage rendu au président Roch Kaboré, ça va passer un peu sous silence comme cet hommage-là. En tout cas, situation musicale, rien à dire. Dewalo peut chanter sans Baby Philippe, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez. Voilà. Maintenant, la petite mise au point concernant le 1 an de commémoration de l'artiste DJ Arafat. Franchement, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'il y a eu des blessés. Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des blessés. Il y a un mec qui est tombé de sa moto, qui s'est écorché le visage et le corps parce qu'il était trop dans la joie. Il était très, très heureux de commémorer son artiste DJ Arafat. Mais vous savez qu'avant cet hommage-là, il y a eu des soubresauts, il y a eu des bruits de couloir. Ils ont interdit à Desbordeaux d'aller prester. Ils ont leur raison. J'avais fait un direct pour dire que je n'étais pas content. Et j'ai même accusé certains Chinois. Mais je reviens dans cette vidéo-là pour dire en fait toutes mes excuses à ces Chinois que j'ai accusés délibérément. Parce que je comprends maintenant ce qui se passe. C'est vrai que parmi vous, beaucoup détestent Desbordeaux les Koufa, mais en fait, je pense que les organisateurs des manifestations ou des événements à titre posthume pour DJ Arafat se servent de vous pour lui interdire l'accès à ces événements-là. Moi, c'est ce que j'ai compris maintenant. Parce qu'en fait, quand j'ai vu Kamel Sama se faire applaudir par des Chinois, or, quand cette jeune dame-là fait des posts sur son Instagram, c'est que des injures en bas, je pense que ce sont des infiltrés qui sont derrière tout ça. Voilà. Et j'aimerais vraiment, vraiment lancer un message aux organisateurs de trucs, des événements de DJ Arafat pour leur dire ceci. Vous savez, bien vrai que l'artiste de Bordeaux et votre artiste ont eu des griefs, mais je pense que c'est vous qui devez amener ces Chinois-là qui détestent de Bordeaux à revenir à vraiment une union. C'est vrai, comme je l'ai dit dans mon direct passé, l'artiste de Bordeaux a fait beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont pas plu, qui m'ont pas plu à certains d'entre vous, mais le pardon, il est divin, donc accordez-lui votre pardon. Et je pense que c'est vous, ces organisateurs, je veux parler de Badro Escobar, je veux parler de Anos Jaguar, je veux parler de Youyou Toirou, je veux parler de toute la Yorogang, voilà, je veux parler de toutes ces personnes à qui s'intéressent à la cause d'Idi Arafat, de trouver des moyens, de trouver des moyens pour faire comprendre à ces Chinois-là que c'est ensemble que nous pouvons être plus forts, c'est ensemble que nous pouvons relever le coupé décalé. Même si on sait que Didier Arafat est parti avec 50% de ce coupé décalé, jusque-là, on cherche encore quelqu'un qui viendra combler ces 50%-là. Chose difficile à trouver, mais je pense qu'à l'approche des élections, il ne faut pas rester dans cet esprit-là. Vous comprenez un peu, non? Il ne faut pas rester dans cet esprit-là et il faut aller à ces élections-là en paix. Voilà. Hamdi Ritor, il faut te prononcer. Sur le cas, l'atmosphère politique de ton pays, mais je ne suis pas chroniqueur politique, désolé. Il y a déjà beaucoup de cyberactivistes qui font des vidéos interposer l'opposition comme le pouvoir en place. Donc, moi, ce n'est pas mon terrain, ça ne m'intéresse pas. Moi, je prie simplement pour que mon pays soit toujours en paix, pour que les Ivoiriens s'aiment davantage, pour que les Ivoiriens soient tolérants et pour que les Ivoiriens ne fassent pas la même erreur qu'on a fait il y a 10 ans. Voilà, moi c'est tout ce que je veux dire. Sinon, concernant Didier Arafat, ce fut une très belle fête, mais je tenais vraiment à dire ceci là aux organisateurs. Évitez surtout, je sais que souvent, il y en a qui sont animés de bonnes intentions, comme quoi ils veulent pas que ça dégénère si les Chinois voient Desbordeaux à leur manifestation, mais il y en a même qui utilisent ces Chinois là
pour interdire à ce que Debordeaux vienne célébrer son fête avec ses fans. Vous voyez, on est tous des frères, vous voyez un peu, on est tous des frères. Debordeaux est un natif ivoirien et beaucoup parmi vous comptaient sur lui. C'est vrai qu'il est sorti avec certains directs qui vous ont déplu, mais beaucoup parmi vous, je reconnais et je sais du plus profond de moi, comptaient sur Debordeaux pour venir les épauler, pour venir les consoler, pour venir relever un peu le coupé décalé. Mais ça s'est mal passé et Dieu merci, il est encore en vie. Et moi, tout ce que je souhaite pour vous, c'est que vous lui accordez votre pardon et vous revenez à de meilleurs sentiments. Le pardon, il est divin, les amis. Voilà, Chenet vraiment, vraiment a fait cette mise au point-là. En tout cas, j'ai bien aimé l'organisation et j'espère que la parade promise sera effective. Voilà, le samedi, normalement, il se pourrait qu'il y ait une parade sur le lieu de l'accident de la TG Jarafat. Donc, j'espère que les Chinois sortiront encore massivement comme le 12 août à cette place-là. C'était votre MCVT Héritor. N'oubliez pas l'album de Bébé Philippe qui sort ce 19 septembre-là. J'en parlerai avant la sortie officielle. Ciao, ciao, c'était Héritor.